Bonjour, nous sommes ici au jardin de Banizette sur la commune de La Noaille. C'est une commune qui se situe sur le parc naturel régional du plateau des Mille Vaches. On est à presque 700 mètres d'altitude. C'est un jardin qui est sur un domaine inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis les années 90. Le jardin a été créé à la base au XVIIe siècle, après plusieurs propriétaires qui l'ont souhaité plutôt au jardin de curé. En 96, ce jardin a été réhabilité aux visites. Ce jardin est dessiné d'une façon très, très structurée. Nous avons une grande partie des carrés qui sont destinés aux vivaces. On a beaucoup de vivaces avec des ostas. D'ailleurs, aux angles de chaque carré, nous avons mis des ostas de différentes couleurs et on appelle ça la ronde des ostas. Voilà. Et nous avons aussi un jardin qui est aujourd'hui dans des tons un peu roses, bleus et blancs. Ce sont des couleurs qui sied vraiment à Banizette parce que les couleurs un peu trop chaudes ne vont pas du tout avec l'ensemble des bâtiments et surtout des toitures. Et ce jardin aspire à la tranquillité. Pour nous, le jardin de Banizette, comme vous pouvez le voir, on est entouré d'arbres et de végétation assez ancienne, avec des buis très anciens, un if tricentenaire. Et ce jardin, pour nous, c'est très reposant, c'est le romantisme parfait et une très grande authenticité.